Coucou à toutes et coucou à tous. Donc, je m'apprête à faire ma coloration de la gamme chez Mochter. Donc, je me suis trompée sur ma vidéo de mon hall capillaire à New York. J'avais dit que ça coûtait plus cher, mais finalement, ça m'a coûté moins cher que chez Target. Je l'ai acheté à la 125e rue sur Harlem, côté noir. Pas Spanish Harlem, parce que sur Spanish Harlem, les latinos, enfin les afro-latinos, ne sont pas très portés sur le naturel. Donc je suis allée en côté afro-américain sur Harlem. Comme j'ai dit dans ma vidéo de haul à New York, je vous conseillerais, parce que je ne veux pas répéter 36 000 fois la même chose, de regarder cette vidéo avant de me poser des questions sur celle-ci, non pas par méchanceté ou pour être chiante, c'est que des fois, on donne déjà plein d'informations dans les vidéos précédentes et je veux pas que la vidéo soit trop longue vu que c'est une coloration, donc ça va prendre du temps et je veux que la vidéo fasse moins de 10 minutes. Enfin, je vais essayer que la vidéo soit super courte. Ça fait 3 jours, j'ai lu un petit peu les recommandations, j'ai vu des revues et tout et tout et tout. Et ils recommandent de ne pas rajouter des produits, de faire la coloration plutôt après 2 ou 3 jours où vous avez nourri, hydraté vos cheveux. Donc ça fait... Ok, c'est tombé dans les toilettes. Pardon. Donc les indications sont ici et ils disent concrètement qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop sales 2 ou 3 jours avant d'utiliser la coloration. Donc j'ai nourri mes cheveux il y a 3 jours. Mes cheveux sont secs, j'aime pas trop quand ils sont dans cet état-là, mais il s'avère que ça prendrait plus facilement si les cheveux ne sont pas enrobés de trop de produits. J'ai vu des revues. Bah écoutez, c'est mitigé. Moi j'ai les cheveux. Merde. Alors moi j'ai les cheveux noirs. J'ai encore des restes de ma coloration de l'année dernière. Donc je sais pas vraiment comment ça va prendre. Donc j'ai fait 4 sections, comme à son habitude. Et je vais faire une coloration, vous me connaissez, un peu spéciale. Je vais tester quelque chose d'un peu spécial pour ma coloration et j'espère vraiment que le résultat sera au rendez-vous. Ah oui, avant de commencer. La coloration chez Mochter est vendue au Canada à 22 $ canadiens. C'est cher, ouais, j'avoue, c'est extrêmement cher quand on sait que j'ai payé 14 $ US. Si ça ne marche pas très bien ou si j'ai que des reflets, parce que là où je pars, il se peut peut-être que j'ai des reflets. Au lieu de garder la coloration pendant une demi-heure, je vais la garder le temps d'un épisode Orange is the New Black, ok? Donc c'est environ 45 minutes les épisodes de cette série, d'ailleurs que je vous recommande. Et voilà, donc je vais faire une coloration un peu spéciale. Vous me connaissez, chaque été pratiquement, je fais une coloration. Donc voilà, déjà 3 minutes. Bon, alors le kit se présente comme ça avec son développeur, son eau oxygénée, le shampoing... Attendez, je vais ouvrir ça. Ça va être plus simple pour vous montrer. Donc, la coloration consiste tout simplement à colorer tout simplement mes pointes. Alors, c'est à votre choix. Si de votre côté, vous avez envie de tester cette coloration, libre à vous. Alors, la seule suggestion que je peux vous faire, ok, j'ai fait 4 sections pour que ça soit plus facile pour moi de colorer mes cheveux de manière optimale. Au début, je voulais faire 2 pompons, mais j'avais peur vu que mes cheveux sur le côté sont plus courts que ça ne prenne pas, donc j'ai préféré faire 4 pompons. Donc c'est à votre choix, c'est vous qui décidez la longueur que vous voulez colorer. Moi personnellement, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'un peu pousser mon élastique. C'est mon élastique qui va être ma zone de démarcation de ce que je veux colorer ou pas. Ok? Donc voilà, je fais pareil ici. Et derrière, je laisse ça comme ça parce que derrière, c'est derrière quoi. Donc, je vais préparer la coloration. C'est très simple. Vous ouvrez votre développeur. Vous y incorporez votre crème. Voilà. Vous incorporez ça.